Je remarque que me confie pas les torchons et les serviettes. Qui a le torchon, c'est bon. Alors, cette chose sur cette étude, qu'est-ce que tu dis, toi? Je dis qu'heureusement, il reste plein de dictateurs. Ah oui, qui par exemple? Oh bah. Kim Jong. Ouais. Voilà. Kim Jong-un, qui est vraiment un mec sympa. Ah, ouais. Kim Jong 2. Voilà. Ah, Kim Jong 3, j'arrête, moi. Je quitte la salle. On a un petit bacheur et la salle, c'est sympa. Je quitte la salle. Ça rassure. Messieurs, dames, cette chanson s'intitule Les Dictateurs. Le thème de la chanson, le thème de la chanson, c'est très simple. Les dictateurs en ce moment, ils ont plus de boulot. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent aller au pôle emploi des dictateurs. Là, il y a un paquet de postes à pouvoir. Enfin, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Nous, ce qu'on va faire dans cette chanson, c'est essayer de trouver un autre boulot pour les dictateurs, pour les rendre plus sympas. Parce que c'est vrai qu'imagine, Hitler, bon bah tout le monde le déteste. Mais si Hitler, c'était Astérix au parc Astérix, tout le monde l'aimerait bien. Voilà. Alors, on va donc réhabiliter les dictateurs. Bien, avec des joggings, quoi. D'accord. Avec des chemises. Allez, Jean-Marc, fais-toi plaisir. 1, 2, vas-y, Jean-Marc. Si on faisait une équipe de foot avec des dictateurs, on prendrait Mussolini en avançant, mais pas Hitler dans les buts parce qu'il est trop petit. Pinochet serait ailier gauche, et Mao serait ailier gauche, parce qu'il est de gauche, et Paul Pot, lui, il serait soigneur. Ah non, c'est bon, on fait déjà rien, c'était juste une écharpe de mon oeil. C'est un carton rouge, pas un carton jaune, mais un grand carton d'or. Exécution, voilà la jolie tête de Charouchescu. Où sont les spectateurs? Où sont les adversaires? Et où sont les arbitres? Ils sont dans des cages. Si tu fais du foot avec des dictateurs, n'oublie pas de t'échauffer, de t'hydrater. Sinon ta peau sera desséchée. Et c'est bientôt l'été. Wapapala, wapapala. Chante avec les dictateurs. Ouais! C'est la fin de la dictature. Si on faisait un groupe de reggae avec des dictateurs, et qu'il affiche la guitare, il a eu les cheveux longs, on progresse avec le sel parce qu'il est bassiste. Et comme il serait au clavier avec son bonnet rasta, il papote et même les cœurs devant Paris. Oh, toujours combien de la main? Oh, non, 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 non. Attention, c'est le solo de Paul Pot. Tout le monde écoute, les enfants, tout le monde écoute, attention. Si tu l'applaudis pas, il va te mettre en prison. Et si tu l'applaudis, il va te mettre en prison. Où sont les spectateurs? Où sont les techniciens? Où sont les musiciens? Parce qu'ils sont dans la fosse. Si tu fais le reggae avec des dictateurs, n'oublie pas d'apporter tes papiers. Ah bah non, c'est pas pour vous rouler, non, non. C'est juste pour les présenter. Wapapala. Les papiers, non? Attention. J'ai les noms de tout le monde. Wapapala. Si tu fais un camp de vacances avec les dictateurs, n'oublie pas d'apporter ton maillot. Y'a plein d'activités dans l'eau. Enfin, plutôt sous l'eau. La mon Dieu, il se noie. Non, je suis alors, ça va, c'est Si on faisait de la cuisine avec les dictateurs, pour manger, y'a des mecs, c'était trop bon. Et si on faisait de la haute couture avec les dictateurs, le col Mao, ça me sert un petit peu trop, je te le dis. Et si on faisait un parc d'attraction avec les dictateurs, et moi, t'as vu, ça me fout la gerbe. Non. Et si on faisait une démocratie avec les dictateurs, non. Le pôle emploi des dictateurs. En ce moment, il y a un bon poste à pouvoir manger dessus dans l'Afrique. Faut aimer l'Afrique, faut aimer l'Afrique. Sinon, il y a toujours l'Europe de l'Est. Faut attendre genre 10-15 ans que ça se décote un peu, faut s'armer de patience. Mais là, faut s'armer tout court en fait.